Serestes est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Serestin. Géographie. Protégée au nord par les monts de Vaucluse, et au sud par la chaîne du Luberon, Serestes est à la frontière entre la Basse et la Haute-Provence, sur les anciennes Via Domitia, à 370 mètres d'altitude. Il y a 50 millions d'années, au début de l'Éocène, les bassins d'aptes de Serestes étaient recouverts d'un grand lac intérieur. Le climat de type tropical avait développé une faune et une flore très riches qui se retrouvent dans plaques très fines de calcaire schisteux jusqu'à Oligocène. Ces nombreux fossiles correspondent à une flore riveraine, Myrica, Nymphaea, Céelix, et à des poissons, mollusques et insectes. L'accès facile des sites fossilifères permettait leur pillage quasi organisé. L'action du parc naturel régional du Luberon a permis de le faire diminuer de 95%. La commune fait aujourd'hui partie du périmètre de la réserve naturelle géologique du Luberon, en raison de la proximité à ces sites fossilifères exceptionnels. Hydrographie, les gorges de l'Ancrème. Serestes est arrosé par plusieurs cours d'eau, en plus de l'Ancrème, le Calavon et l'Aiguebel, dont la source est sulfureuse, traversent la commune. Certains de leurs affluents, comme le ravin de Carluc, coule également près du village. Environnement. La commune compte 1612 hectares de bois et forêts, soit la moitié de sa superficie. Flore du versant nord du Luberon, le versant nord, plus humide et moins chaud que celui qui jouxte la Durance, a déjà une allure plus montagnarde. Il est couvert en grande partie par une chênaie pubescente. Mais le chêne pubescent, ou chêne blanc, ou black selon le nom local, a besoin de terrains plus riches que le chêne vert du versant sud, et demande de l'ombre pendant les premières années de sa vie. Ce sont d'autres espèces qui lui préparent le terrain, la mélanchier, le buis, le genêt, le genévrier commun, le pin sylvestre. Ce dernier fournit une ombre permettant à d'autres végétaux de se développer, chêne blanc, mais aussi érable de Montpellier, érable champêtre, ou encore alisier blanc. Faune du versant nord du Luberon, sur le piémont du massif, on trouve des insectes, sauterelles, mantes religieuses, cigales, des arthropodes, comme le grand scolopendre et le grand scorpion jaune, tous deux très venimeux, des reptiles tels que la vipère aspic, venimeuse, mais qui fuit au moindre bruit, la couleuvre à échelons, la couleuvre de Montpellier, le cep, le lézard ocellé, le plus grand lézard d'Europe, pouvant atteindre 90 cm de long. De nombreux oiseaux sont spécifiques à ce versant, le merle noir, le rouge-gorge, le troglodyte, localement nommé la pétouse, ou loupetouzeau en provençal, le pinson des arbres, le jet des chênes, la mésange bleue, la mésange à longue queue, la fauvette à tête noire, l'épervier d'Europe, prédateur des précédents. En plus de ces espèces typiques du versant nord, on retrouve nombre d'oiseaux ayant colonisé le versant sud, rapaces diurnes d'une part, comme le circaète, le plus grand des rapaces du Luberon, le vautour percnoptère, le faucon et la buse, toutes espèces menacées, ou nocturnes d'autre part, comme le grand duc, le moyen duc, le petit duc, et la chouette hulotte. Se rencontrent aussi fréquemment des mammifères comme le sanglier, le blaireau en voie d'extinction, ainsi que le renard roux, l'écureuil, des rongeurs dont le plus petit mammifère du monde, le pachure étrusque. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1054, Serestes, c'est de Resta en 1143. Bien que son étymologie ne soit pas clairement établie, elle est rapprochée de celle du Serestes, proche de la Ciotat, aux origines pré-grecques et pré-celtiques, qui était Resta, formée d'un terme signifiant mont. Histoire. Les fouilles faites à la combe Joubert ont révélé un site paléolithique de première importance. Dans un dépôt alluvial, ont été retrouvés des bifaces et des produits levallois, datés de la fin du Pléistocène moyen mais qui ont une grande similitude avec l'achaléen supérieur méditerranéen. Des tombes de l'âge du bronze ont été retrouvées dans la grotte de Carluc. Un vicus gallo-romain était établi au quartier Saint-Sauveur. Il peut s'agir de Katsuyaka, une des mentions de la voie domitienne. L'époque romaine a laissé un four de potier, un hypogée et des sarcophages à Saint-Sauveur. Un pont romain enjambait l'Aiguebel, l'autre, dit romain, date en vérité du XVIIIe siècle. En 1758, près de celui de l'Ancrème a été découvert une borne milière. Le quartier Saint-Martin a lui aussi livré des vestiges romains avec des tombes à incinération et une pierre gravée. Une villa a été découverte par prospection aérienne à la Déguine en 1982. Au Moyen Âge,
Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente Ostrogoth Amalazon lui rend ce territoire. Le prieuré de Carluc est fondé au XIe siècle. Un autre prieuré, celui de Saint-Sauveur-au-Pont sur le Calavon, appartenait au XIIe et XIIIe siècle à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. À partir de 1103, le prieuré de Notre-Dame de Beauvoir et de Saint-Michel revient avec les revenus attachés au prieuré, à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, auquel est rattachée en 1221 l'église Notre-Dame de Brézy. En 1113, Stéphanus Cisereste, Étienne de Cérestes, fut témoin à Apt et signataire de l'acte d'achat fait par Logier d'Agou, évêque d'Apt, des châteaux qui sommaient le rocher de Seignon, et du doc qu'il en fait à son église d'Apt. Au début du XIe siècle, entre 1117 et 1122, l'évêque Logier d'Agou transigea avec Rodolphe, l'abbé de Saint-Victor de Marseille. L'évêque donna à l'abbé les églises et prieurés de ses restes avec leurs dépendances. Il retint pour son église un tiers des droits de sépulture, et une coupe d'huile d'olive. L'abbé remit à l'évêque le quart des dîmes qu'il prélevait déjà sur ses restes et trois églises rurales en pays d'Apt. Le fief de ses restes, relevé du comté de Fort-Calquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues le 29 juin 1220 avec Raymond Béranger IV, comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Fort-Calquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont ses restes, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. Du château, ayant appartenu aux Sabran et aux Branca, subsistent les traces des murailles, parfois doubles, et quelques pans de mur du côté sud. D'autres parties du mur d'enceinte sont entières, avec une bretèche reposant sur 4 corbeaux. Le fait le plus marquant de cette période fut la bataille de Cérestes. Elle opposa les routiers de Bertrand du Guesclin à l'host de Provence commandé par le sénéchal Raymond d'Agou, qui avait à ses côtés Raymond de Turenne, et son père Guillaume III Roger de Beaufort, neveu de Clément VI. Au cours de l'année 1368, alors que depuis un an Urbain V était retourné à Rome, Louis Ier d'Anjou décida de s'approprier la Provence. Il fit appel à Bertrand du Guesclin qui passa le Rhône au cours du mois de mai, assiégea Tarascon, batailla devant Arles et remonta ensuite vers Apt. Poursuivi par les troupes du sénéchal de Provence, le Breton se replia à ses restes. Le choc entre les deux armées vit la lourde défaite des Provençaux. Cet exploit valut à du Guesclin d'être excommunié par le pape le 1er septembre 1368. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur de Cérestes, Louis de Sabran, soutient le duc d'Anjou dès le printemps 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l'expédition de secours à la reine. La communauté de Cérestes relevait de la viguerie de Fort-Calquier. Au XVIe siècle, l'activité du village reprend, avec entre la transhumance à longue distance. Les moutons de Cérestes partent dans la vallée supérieure du Var, en Provence orientale. Jusqu'en 1648, il n'y eut pas de cure, donc de desservant dans le village. Les offices de l'église paroissiale Saint-Michel, et du prieuré de Notre-Dame de Beauvoir, étant à la charge des moines de Saint-Victor de Marseille. Le fief, qui avait dépendu des comtes de Fort-Calquier puis de Provence, passa à la famille de Branca, qui obtint son érection en marquisat en 1674. La tour d'Embarbe, d'Embarbeau, est une ancienne tour défensive du XVIe siècle, transformée en pigeonnier. Au début du XVIIIe siècle, les frères Essieux exploitaient un four à poterie. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Au milieu du XIXe siècle, l'élevage principal était celui des porcins. La vigne et les oliveraies colonisaient les collines, le blé couvrait les vallées. Et la commune était réputée pour ses truffes, d'une exceptionnelle grosseur. Le village comportait plusieurs filatures à soie. Une carrière à ciel ouvert permettait d'exploiter le lignite, elle s'étendait sur 166 hectares. Sur le chemin de Vien, dans une grotte, était exploité du pouding utilisé pour faire des pierres meulières.
Le vin produit était destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 35 habitants de Cérès sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Cérès se dote d'une école bien avant les lois Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire une école neuve. C'est l'actuel groupe scolaire, 6 boulevard Victor Hugo, qui regroupe école maternelle et élémentaire. René Char et la Résistance. En septembre 1939, René Char est mobilisé à Paris pour une dizaine de jours puis à Nîmes comme simple soldat. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le poète fut mobilisé dans le 173e régiment d'artillerie, régiment qui était affecté en Alsace. Au cours de la débâcle en 1940, il assura à ses hommes une retraite organisée, ce qui lui permit d'occuper le pont de Gien gardé intact. Celui-ci servit à la population pour se replier. Démobilisé, il fut décoré de la Croix de guerre et put revenir dans ses foyers à l'Île-sur-la-Sorgue. Sur ordre de Vichy, le préfet de Vaucluse le tint à l'œil. Il chargea son directeur de la Sûreté nationale d'enquêter sur l'individu, le rapport que ce dernier fit parvenir à son supérieur hiérarchique, qui constatait que le poète était surréaliste, le catégorisait comme communiste. Immédiatement, le préfet ordonna de perquisitionner chez lui. René Char, averti par un gendarme républicain qu'il risquait d'être incarcéré, partit se réfugier à Cérès, village de Basse-Provence, qu'il connaissait depuis 1936. Cette arrivée à Cérès nous est narrée par Georges Louis Roux. C'est donc vers la mi-août que nous accueillîmes René Char et sa femme Georgette à Cérès. De nouveaux amis, les Taupin, venaient d'y acheter une maison et l'avaient mise à notre disposition. Il s'agissait d'une maison à demi ruinée dont les Taupin venaient de faire réparer les pièces destinées à l'habitation et peindre les portes et les fenêtres couleur bleu charrette. Sur place, dès 1941, il prit contact avec un noyau de la Résistance. Il rejoignit l'armée secrète et choisit le pseudo d'Alexandre. Les excellentes relations qu'il entretenait avec les Cérestins lui permirent d'organiser sur le terrain des réseaux de combat. Il structura ceux-ci afin de leur permettre d'accueillir des réfractaires au STO, lors de l'occupation de la zone sud. Ce fut en 1943 qu'il prit la tête du secteur AS Durance, qui s'étendait entre Fort Calquier, Bannon, la montagne de Lure, Apt et le Luberon. Puis avec le grade de capitaine, il devint chef départemental de la SAP région 258. Cette section fut opérationnelle dès l'automne 1943. Des équipes sont en place à Fort Calquier, Cérès, Bannon, Puymoisson, Oraison, Valensole, Gréou, Seine. La SAP de René Char comprendra une trentaine de terrains et mobilisera jusqu'à 400 hommes et femmes. Ils étaient chargés par Alexandre de préparer les terrains d'atterrissage et d'organiser la réception et le stockage du matériel de guerre. Sur le terrain, ils étaient coordonnés par Pierre Zingerman, un Polonais évadé d'un camp d'internement, dit Léon, et Jean Sicard, dit Serge, les deux adjoints de René Char. Le largage suivait un rituel immuable. Le capitaine Alexandre était informé d'un prochain parachutage, par un message codé de la BBC, à 13h, message de confirmation répété le soir. Le jour prévu, dès que le bruit de l'avion se faisait entendre, plusieurs hommes balisaient le terrain avec des lampes ou en allumant des feux, en se positionnant dans la ligne du vent. Après un premier passage de l'avion confirmant que les signaux avaient été bien perçus, le largage s'effectuait au second passage à 200 mètres environ du sol. Les hommes de la SAP avaient alors pour mission d'évacuer rapidement les conteneurs en les cachant. À titre d'exemple, sur la commune de Saint-Michel l'Observatoire, le terrain de parachutage 126 était proche de la tour de Port-Chachère. C'est son premier étage qui servait de cache. Certains parachutages étaient à haut risque, comme celui qui eut lieu dans la nuit de 27 au 28 décembre 1943. La dispersion des 14 parachutes entre Bannon et l'Hospitalet n'était pas prévue et parut suspecte. Un seul conteneur put être récupéré par un maquisard de l'Hospitalet. Il contenait 71 mitraillettes Stern, 9000 cartouches, 231 grenades et 200 kg d'explosifs.
le SAP ne tarda pas à être informé que ce sabotage était à mettre au compte des gendarmes locaux, qui avaient déplacé les repères de largage, après les révélations faites par un réfugié lorrain de 64 ans. Sur ordre de René Char, le délateur fut fusillé 3 semaines plus tard, devant l'église Saint-Jean-Baptiste de l'Hospitalet. Impitoyable avec les traîtres, René Char fut adulé par ses hommes. C'est ce que nous apprennent deux jeunes résistants, Marcel Chaumien et Jean Soupiron, qui avaient rejoint l'Algérie pour y suivre un entraînement commando au Club des Pins d'Alger. Ce qui leur permit, en avril 1944, de partir en mission dans le sud-est de la France, région R2, faire des relevés météo en vue du débarquement prochain sur les côtes provençales. Débarqués à Ramatuelle, ils furent d'abord dirigés par la résistance locale vers Cucuron puis le 6 juin vers le secteur d'Apt beaucoup plus sûr. Ils y rencontrèrent le colonel Coste qui les confia à René Char. Jean Soupiron s'est souvenu de son étonnement, « Alexandre, l'homme vers qui nous allons est un poète. Ce qui nous inquiète un peu. Nous avons tort. Nos jugements sont erronés. Cet homme se révèle être un homme supérieur, rigoureux, pragmatique. Son secteur est organisé de manière exemplaire, et chacun obéit avec enthousiasme. » Marcel Chaumien a confié son admiration pour « ce colosse, remarquable meneur d'hommes et qui savait se mettre au niveau de son interlocuteur, fut-il artiste, intellectuel, paysan. Alexandre fut pour nous d'un très précieux concours, il nous donna armes, munitions et matériel pour nous installer dans une ferme de la commune de Vien. Roger Paul Bernard était l'un des hommes de René Char, en contact avec la ferme de Flaquerolles. Originaire de Pertuis, il avait fui le STO, et s'était d'abord caché au Comtadour avec Jean Giono. Âgé de 23 ans, ce jeune poète décida alors de rejoindre Alexandre à ses restes. Char le prit immédiatement en amitié. Son destin bascula le 22 juin 1944 au matin. Parti de Flaquerolles pour porter un message à ses restes, il fut arrêté par les SS au bas de Vien. Son sort était scellé car il est trouvé en possession d'un revolver, et chaussé de chaussures anglaises. René Char dut prendre une décision dramatique, laisser fusiller son camarade et ami, pour que ses restes ne subissent pas la répression des SS. Il narre dans les feuillets d'Hypno, « Nous étions sur les collines dominant ses restes, des armes à faire craquer les buissons et au moins égaux en nombre aux SS. Je n'ai pas donné le signal parce que le village devait être épargné à tout prix. » Le jeune résistant fut exécuté d'une balle dans le dos près de l'ancienne gare de Vien. Marcel Chaumien écrit, « Il est mort en brave, refusant de parler. » Ces faits m'ont été confirmés par les gendarmes qui écoutèrent dans une pièce voisine du lieu de l'interrogatoire. Ils laissaient une femme et un bébé de quelques mois. Après la guerre, René Char fit publier ses poèmes « Ma fin noire déjà » chez Segers, et s'occupa de sa veuve, Lucienne, qui devint modèle de Matisse. Pour illustrer les rapports que René Char entretenait avec les Sérestins, il suffit de rapporter l'amitié qui l'unit aux Ginoux durant ces années. Les Ginoux habitaient une maison voisine de celle des Taupins à Sérestes. René Char, craignant une perquisition, demanda un jour à la mère Ginoux de cacher des codes et autres documents importants sous ses jupons. Elle devint ainsi la plus vieille résistante de ses restes. Dans sa jeunesse, elle avait été condamnée au bagne pour avoir tué son amant d'un coup de couteau, on disait aussi qu'elle avait brisé le dos de son fils pour lui éviter d'être mobilisée en 1914 à 1918. Celui-ci était châtreur de profession. Georges-Louis Roux, son ami de ses restes, complète, la première fois que nous comprîmes que Char serait le centre d'une activité clandestine, ce fut le jour où, en 1941 je crois, Madame Char alla inciter à plus de discrétion un antivichiste, qui avait eu une altercation publique avec un collaborationniste. « Nous aurons besoin de vous plus tard », lui dit-elle. La situation changea totalement pour nous lorsque, après le débarquement américain en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, la zone sud fut envahie par les troupes nazies. Il se créa dans la région des maquis de l'armée secrète. Char travaillait avec eux. À partir de ce moment, ses activités furent conditionnées par ses obligations de chef de réseau. Il lui fallut mettre sur pied, dans des conditions précaires, toute une infrastructure, rechercher des terrains de parachutage, trouver des caches sûres, créer des équipes de transporteurs, établir des liaisons. Sous son impulsion, ses restes nocturnes se mit à l'œuvre. Christol l'épicier aux côtés de Bassanelli le bûcheron, Gardiol le braconnier avec Cabot le gendarme ou Nervi le camionneur, Manuel, militaire en congé d'armistice, Marcel Sidoine Pons, et d'autres encore.
Des gens simples aux réactions directes et saines qui ne pouvaient supporter l'avilissement de leur pays et qui trouvaient auprès de Char un responsable qui était aussi un ami l'occasion d'agir dont ils avaient besoin pour sublimer leur honte et leur colère. Il était la conscience du village. Ses qualités de meneur d'hommes jointes à l'efficacité de son action firent que sa réputation dépassa largement les limites de la R-258. Au cours du mois de juillet 1944, René Char fut appelé à l'état-major interallié à Alger. Sur place, il occupe les fonctions d'officier de liaison auprès du général Cochet, donne des conférences militaires sur la guerre des maquis aux officiers anglais et américains, et devient directeur de la Villa Scotto, le centre des missions parachutées. Il prépare le débarquement en Méditerranée. Ses fonctions le retinrent en Algérie, et il ne put participer à la libération de la France. Il revint seulement en septembre 1944, et fut incorporé à l'armée où il resta encore un an. C'est au cours de l'été 1945 qu'il commença à rédiger à nouveau. Ses textes sont inspirés de son journal de guerre et ses notes du maquis. Ce sont les feuillets d'hypno, repris en volume dans Fureur et Mystère, qui sont calculés pour restituer l'image d'une certaine activité, d'une certaine conception de la résistance, et d'abord, d'un certain individu avec sa multiplicité interne, ses alternances et aussi sa différence, qu'il est moins disposé que jamais à oublier. L'ensemble demeure une des images les moins convenues et les plus approfondies de ce que fut la résistance européenne au nazisme. Isabelle Ville, dans son étude sur René Char, une poétique de la résistance, publiée par les Presses de l'Université Paris-Sorbonne, s'interroge sur les raisons qui déterminèrent l'entrée active en résistance de René Char. Pour celui qui considérait qu'il n'y a que deux conduites avec la vie, où on la rêve ou on l'accomplit, elle se fit pourtant naturellement même, si comme il l'expliquait à son ami Curel, les poètes n'ont vraiment pas leur place dans l'armée. Ce qui était moins normal, fut le flot d'insanité que certains déversèrent sur le poète après la libération. Il faut se souvenir que c'est la SAPE, elle-même, qui décidait de la répartition des armes. Les FTP n'en furent pas les premiers bénéficiaires. Il y eut plus que des frictions entre gaullistes et communistes. Mais il faudra attendre les combats de la libération pour que ce délicat problème soit résolu réglementairement entre les FFI. Ce ne fut pas le cas à Ceyreste, où René Char fut accusé de malversation. Fin 1945, lui et son maquis furent couverts de calomnies, par plusieurs dirigeants communistes locaux, sur les ordres d'un certain Georges Dubois. Ceux-ci répandaient une rumeur accusant Alexandre d'avoir été un agent louche et de s'être livré au marché noir. Char intervint auprès des instances nationales du PCF qui déclencha une enquête. Celle-ci, qui allait durer plusieurs mois, aboutira à l'exclusion du parti de ce Georges Dubois en 1946. Comme entre-temps, une autre campagne de calomnie recommençait, Char fit une réponse cinglante qui fut imprimée sur affiches et placardée dans tout le village de Ceyreste. Il y eut même des vengeances qui se mangèrent froides. Le « Square des Marronniers », lors de la mandature du premier maire élu après la Libération, un résistant, avait été renommé en l'honneur de René Char, place Capitaine Alexandre. Dans les années 1960, un autre maire, très hostile au poète résistant, décida de tout changer. Pendant la guerre, Char s'occupait aussi de l'intendance et veillait sur la nourriture de ses hommes. Pour cela, de temps en temps, il s'adressait aux paysans de Ceyreste. Il rencontra un des gros propriétaires éleveurs de moutons. « Que penseriez-vous, si de temps en temps, l'une de vos bêtes disparaissait, dévorée par un loup ?» questionna-t-il pour prendre la température. Le fermier refusa sèchement, en targuant qu'il ne faisait pas de politique. Après la libération, le bonhomme vint voir Char pour lui demander une attestation officielle, prouvant qu'il avait fait partie de la résistance, pendant la guerre. Le capitaine Alexandre leva les yeux de son bureau. « Méga mange bien maintenant, merci, » dit-il, en le renvoyant d'un geste. Le gros propriétaire rumina sa vengeance jusqu'à ce qu'il fût élu maire du village, et put débaptiser la place Capitaine Alexandre, en place de Verdun.